La Villa des Cœurs Brisés 8, Carla Moreau casting avec des anonymes, la date de tournage connue. Après 7 ans d'amour, une adorable petite fille de 3 ans et un mariage en janvier 2022. Le couple Gage n'a finalement pas survécu. Et pour cause, Kevin aurait succombé au charme de Belle Longwell sur le tournage de La Bataille des Clans. Alors que cette dernière était en couple avec son cousin Alan et que sa femme Carla dormait paisiblement dans une autre pièce. Furieuse et humiliée, la maman de Ruby a donc décidé de divorcer du Jaguar. Si les fans de télé-réalité se réjouissaient déjà de voir Kevin Gage réintégrer les Marseillais cette année. Sachez que le prochain tournage ne se fera pas avant 2023. En effet, selon le directeur général de W9, le programme phare de la chaîne est en pause. En attendant de revoir Kevin sur nos écrans, c'est sa future ex-femme que nous retrouverons très bientôt. Blasting News vous dit tout. C'est ce qu'il se murmure. Selon le blogueur Varuko, Carla sera bien au casting de la Villa des Cœurs Brisés 8. Après 7 ans de tromperie, de rupture et de réconciliation avec Kevin Gage, qui demande à ne plus être insultée sur les réseaux, la pétillante blonde a bien besoin de retrouver le moral auprès de Lucie Mariotti, la célèbre love coach de l'émission. Carla pourrait même être amenée à faire de nouvelles rencontres. Hâte de voir la candidate des Marseillais dans un programme de dating. Le tournage de cette 8e saison est prévu pour début 2023. Nous savons que le casting de la nouvelle saison de La Villa vient d'être lancé. Alors, qui retrouverons-nous dans la télé-réalité phare de TFX? Eh bien, figurez-vous que la production nous réserve des surprises cette année. En effet, selon le très bien renseigné Jeff Lang de VIP, le casting sera exclusivement constitué de candidats anonymes. Enfin, les productions commencent à nous écouter. Big news! Pour la nouvelle saison de La Villa des Cœurs Brisés 8. Ce sera un casting 100% anonyme. Ils ont compris qu'on en avait marre de voir toujours les mêmes candidats. Fini le recyclage. Place à la nouveauté. Au vu de l'engouement sur la Star Academy, la pro a décidé de miser sur de nouvelles têtes et des gens normaux. Exit les meufs siliconées et les gars bodybuildés. Un peu de fraîcheur sur nos écrans. Ça va faire du bien, a annoncé le blogueur. Une nouvelle qui semble ravir les téléspectateurs, qui ont vivement réagi en commentaire sous son post Instagram.